Bonjour à tous et à toutes, ici Toronis. Donc ma toute première vidéo sera une vidéo coup de cœur sur le jeu XCOM. Donc c'est le remake d'un jeu sorti en 95 qui s'appelait UFO. Donc on va directement se lancer dans une partie. Donc la difficulté normale, c'est tout indiqué pour commencer parce que au-delà c'est vraiment vraiment difficile. Une option qui est pas mal mais pas indispensable, je vous montre, c'est Homme de Fer. Donc en fait qui consiste à ne pas pouvoir recharger une partie antérieure si un des personnages meurt. Ça rajoute un peu de difficulté, un peu de challenge. C'est pas mal. Moi je vais l'activer, j'aime bien. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Alors, une petite vidéo. Pas indispensable, je vais sûrement la passer au bout d'un moment. Enfin, pas indispensable. S'il veut jouer, c'est toujours mieux de la laisser. Le jeu n'est pas une tuerie au niveau graphique, mais c'est quand même pas horrible, loin de là. Voilà, donc première étape, c'est choisir sa base de départ. Donc on a l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud et l'Afrique. Chacun a sa petite spécialité. Donc par exemple ici, l'Amérique du Nord, c'est 50% des coûts d'achat réduits sur les constructions et d'entretien de tous les avions et leur armement. L'Europe, c'est les constructions, entretien de laboratoires et des ateliers. 50% des coûts de projet de la fonderie et du centre de formation en Asie. En Amérique du Sud, ça permet d'effectuer des autopsies et des interrogatoires instantanément, pas aucun temps d'attente. Et en Afrique, enfin, c'est un financement mensuel augmenté de 30%. Voilà, on va faire ça en Europe juste parce que, voilà, c'est bien. Donc 50% des coûts de construction et d'entretien de laboratoire. Voilà. On se lance. Notre cible se trouve près de la frontière allemande. On a intercepté une transmission locale signalant la présence d'extraterrestres dans une grande zone métropolitaine. Voilà, donc en gros, l'objectif ici. On devrait aller faire un peu de ménage. Voilà, on va lancer. Donc la toute première mission, on ne choisit pas. Donc on ne choisit pas son arme. On ne choisit pas. C'est normal. C'est après, donc ça on vite la Strike faire, One, ici centrale. Comment vous avez la permission d'attaquer tout contact hostile dans la zone. Ne prenez aucun risque. Donc on a une petite escouade. Donc le jeu se joue tour à tour avec des planques. Voilà, donc en fait le but c'est d'avancer. Ouais, voilà, vigilance permet en fait de tirer dès qu'il voit un ennemi bouger. Donc en fait ce qui se passe, voilà, les déplacements, donc à l'intérieur du cadre bleu, nous permet en fait de pouvoir effectuer une autre action après. Donc par exemple, je me bougerai ici. C'est le moment. Des extraterrestres sur Terre. Ouais, nous sommes témoins d'un événement historique. Voilà. Donc le fait que j'ai fait un déplacement dans le cadre bleu, j'ai encore l'occasion d'effectuer une deuxième action. Par exemple le tir, la vigilance, qui me permettrait en fait, si j'avais pas d'ennemis en face de moi, de tirer dès qu'un ennemi se monte. Donc on va faire le tir. Voilà, donc je n'ai qu'une cible visible. J'ai 45% de chance de la toucher et 10% de chance de faire un critique. C'est parti. Aucune chance, oui, évidemment. Je l'aurai la prochaine fois. J'ai raté. Donc, je déplace le suivant ici. Il est mieux protégé, vous voyez, la couverture est meilleure. Déjà celle-ci. Cette couverture-ci est moins bonne parce que s'il avait été là, elle aurait été un peu moins bonne, mais là il est carrément exposé. Lui, en première vue, il ne voit même pas l'ennemi. Donc je vais activer vigilance. Si un ennemi se déplace, il tire automatiquement. Alors lui. Ah ben, je suis encore dans le cadre. Je vais pouvoir tirer directement après. Là. 54% de chance de le toucher. On va voir. Il l'a touché. Mais pas tué. Et mon dernier personnage va se déplacer ici. Cible détectée. Il en a repéré deux autres. Ça devient légèrement dangereux. Donc, il voit. Il les voit tous. Ah,
Donc il les voit tous. Donc je vais tirer sur celui que j'ai plus de chance de toucher, c'est celui-ci. C'est parti. Mais... D'accord. Bon, maintenant c'est leur tour. Ceux-là sont pas trop dangereux. Ils font mal, mais ils sont pas trop dangereux. Ils ont leur... chacun sa spécificité. Et ben voilà, j'ai déjà un homme qui est mort. La particularité dans le jeu, c'est que, comme je l'ai expliqué en vitesse tout à l'heure, c'est que à chaque personnage, un personnage tué, c'est terminé. C'est... Il est mort. Je peux plus le récupérer, donc s'il a bien évolué tout ça, c'est pas grave, tant pis, c'est perdu. Donc... Je vais essayer de retirer sur le premier que j'avais. Parce que là, il va plus. Ça commence à... un peu plus correct. Ces armes semblent s'autodétruire à la mort de leur utilisateur. Essayez de voir s'il en reste des morceaux. Ils seront peut-être toujours utilisables pour nos projets. Donc en fait, elle explique en gros que si j'utilise une grenade, ça la détruit. Donc lui, il va activer vigilance. Donc le plus simple, c'est que je me déplace devant son... Devant son regard, en fait, il tire automatiquement. Voilà. Je joue très mal sur cette partie. Je sais pas ce que j'ai. Donc... Bon bah, j'ai toujours un 5%. On va tirer. Évidemment. Ça va être ça, possible. Lui, il envoie un 25%. Allez, on retente. Raté. Ça change. Raté. Bon. Combien je vais en perdre cette fois-ci? L'IA est relativement doué. Voilà. Bon. J'ai 49% que j'avais touché. Ok. Bon, lui, t'es en face. Pas possible. Lui, il envoie au moins 51% de chance. Ouais. Bon bah j'ai un escouade de bras cassés. C'est pas de chance. J'espère quand même que j'arriverai à la finir. J'ai encore plein de choses à expliquer. Et le temps tourne. Bon. Mais c'est pas possible. Ensuite, celui-ci, 74%, il l'a pas raté, mais il l'a pas tué. Négatif, mon arme est vide. On essaie. C'est raté. Ouais. J'ai besoin de munitions. Bon, ça se passe très mal, là, en fait, c'est... Ce jeu, il pardonne pas. Si je les perds, c'est fini, quoi. C'est... En fait, je vais expliquer ce qui se passe. Ça m'en fait deux morts. Bon. On va encore essayer. M'en suis occupé. Voilà. J'ai plus rien. Ah oui, voilà. Ça, c'est un autre souci. C'est que donc les armes ont des munitions limitées. Cette arme-là est déchargée. Et la recharger me coûte un tour. Donc, vu qu'il est protégé seulement à moitié, je vais plutôt le déplacer jusqu'ici. Parce qu'il fait une protection complète. Ce qui n'est pas pour moi. Déjà, je suis prêt. Ça a tous les objets à ne pas se déplacer. Oui, les voitures, il y a des chances que je tue, mais en fait mes deux personnages parce qu'elle va exploser. Normalement au tour prochain. Non, ce sera au tour d'avant. Donc j'ai quand même atteint un petit peu. Bah, je vais recharger, c'est l'occasion. Je suis prêt. Ah. Lui, bon, là je suis pas encore. Donc ici je serai en sprint, donc ce qui me coûterait 2 tours. Là je ne suis pas encore en sprint, donc ça me coûte 4. Là,
Et il va tirer. Ah, quand même. C'est plus une menace. C'était du bon boulot, voilà. Strike One. Donc là, la mission est terminée. Commandant, nous pouvons commencer évidemment, à étudier les nouveaux score, artefacts immédiatement, si vous le souhaitez. Mon équipe. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe réellement dans le jeu. Si seulement nous avions pu les aider davantage. C'est ça. Quelque chose a dû nous échapper. Je ne vois pas d'autre explication. Chaque soldat qu'on recrute au départ est un simple soldat. Et en fait, il évolue complètement aléatoirement. Donc je ne sais pas ce qu'il va devenir. Je ne sais pas s'il va devenir grenadier, je ne sais pas s'il va devenir sniper, je ne sais pas s'il va devenir médecin. Le commandant est demandé à l'unité de recherche. Donc, à chaque fois qu'une mission termine et qu'il gagne en expérience, il va automatiquement évoluer vers une classe totalement légère. Le grenadier est notre expert grenadier. En armes lourdes. Donc, avec son lance-roquette, il n'y a que le choix ici. Il s'occupe donc de toutes les démolitions. Lui est devenu grenadier, mais comme il est blessé, je ne peux pas l'utiliser pendant 5 jours. Lui est devenu commando. Les commandos forment notre ligne de front. Le commando, ils c'est sont le premiers soldat, à engager le combat et les derniers à partir. Pas mauvais, à l'unité de recherche. Nous sommes en train de décharger les artefacts que vous avez récupérés. Mon équipe attend vos ordres, commandant. Nous sommes prêts à commencer. Donc, dans l'ingénierie... Ah ! Encore une petite vidéo. Donc voilà, c'est là que ça me permet de produire différents objets. Pour le moment, je n'en ai qu'un. J'ai le Medikit, qui est fort utile quand même. Et le satellite, qui me permettra de surveiller la Terre. Dans différents pays du globe. Voilà, donc ça me... Oui, l'argent. L'argent est quelque chose à vraiment à surveiller. Parce que ça se dépense à une vitesse. Donc le Medikit, je vais quand même en prendre. Le commandant est demandé à l'unité de recherche. Là. Et un satellite, si je sais. Oui, ça coûte 100. Commandant, on n'a plus un seul terminal de liaison disponible. Ah oui, il faut un terminal de liaison. Il faudrait qu'on en construise d'autres sans tarder pour déployer de nouveaux satellites. Voilà. La caserne, c'est la liste de mes soldats. Donc tout ça, ce sont mes soldats qui sont recrutés. Donc comme on voit là, le sigle signifie que ce sont des soldats de base. Donc je ne sais pas encore vers quoi ils vont évoluer, ce sera vraiment le hasard. Les nationalités, les noms, tout ça est totalement aléatoire. On peut s'amuser, hein. Je veux dire, je peux... Donc les aptitudes, ça, c'est... je ne sais pas encore ce que ça va devenir. L'équipement, ben, ça c'est tout ce que je peux acheter. Donc ça c'est quand il aura des classes. Hein, ça, c'est... Mais plus tard on va débloquer d'autres styles d'armes avec par exemple, des armes laser, ce genre de choses, des choses récupérées sur les extraterrestres. Plutôt que de l'équiper de sa grenade, elle, le je vais l'équiper du Medikit. Le commandant est demandé à l'unité de recherche. Voilà. Le personnaliser, bon, ça c'est, c'est purement esthétique, donc un nom, un prénom, enfin un prénom, un nom de famille. L'origine. Donc c'est, tout ça c'est visuel, hein, la voix, la tête, la couleur de peau, les cheveux. La déco d'armure, ben voilà, ça c'est la déco de... Les deux décos, et sinon j'ai... 32 teintes de couleurs différentes. Voilà. C'est vraiment pour le fun. Voilà. Donc, on va recommencer une partie. Okay. Les recherches, ça c'est autre chose. Pardon. Donc ça sont des projets de recherche qui me permettent, par exemple, ici... Donc, si je ne dis pas de bêtises... Okay. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Ça, pour, en fait, le voilà, commandant pour étudier, au centre donc, de contrôle. Xénobiologie, donc les cadavres. Donc ça me, pour le construire, ça me coûte 4 cadavres sectoïdes, donc c'est à chaque fois qu'on joue, on récupère à chaque fois les armes, les fragments d'armes, les matériaux, tout ça se récupère. Donc voilà, moi je vais commencer par ça parce que c'est relativement important. Oui, je pense aussi que ces recherches sont prioritaires. Je l'avais dit. Nous allons commencer immédiatement. Voilà. Je vous préviendrai donc, dès qu'un rapport complet on va sera au centre dit. De contrôle. Et c'est là que vraiment, on choisit vraiment où on va aller. On est souvent confronté à des dilemmes, et en fait il faut toujours... Commandant, on reçoit plusieurs demandes d'assistance. Les tentatives voilà. d'enlèvement actuelles sont marquées sur l'hologramme. Ce genre de dilemme arrive tout le temps, donc en fait, chaque pays, on va dire, finance le XCOM si on veut. Donc le fait d'aider un pays fera diminuer sa panique, mais au contraire fera augmenter la panique dans les autres pays qu'on n'a pas pu aider. Un pays qui est devenu trop en panique, ne versera plus de fonds à XCOM. Donc si on n'a plus de fonds, bah, au bout d'un moment on se retrouve sans argent et la partie se termine. Chaque mission apporte une récompense, donc lui m'apporterait 4 ingénieurs, 4 scientifiques. Les scientifiques en fait servent à... Enfin, les scientifiques et les ingénieurs, c'est les recherches et les projets.
là, et au Mexique, c'est que de l'argent. Très important aussi, vérifier la difficulté de la mission. Là, je vais pas me lancer dans une partie de malade, donc ça va juste être une partie en facile qui va me rapporter 4 scientifiques. C'est parti. Donc, comme je disais tantôt, mes soldats sont tous blessés pendant 5 jours, donc ce ne sont que des simples soldats, je ne sais pas encore ce qu'ils vont devenir, ils sont de base. On va voir. J'espère sincèrement que ce micro pas trop cher n'a pas un son trop pourri. On y est. Mais voilà, on verra. Comment c'est l'attaque ? On va vous déposer à la frontière égyptienne. On a intercepté une transmission locale signalant la... Centrale, ici Rapace. L'équipe Strike s'apprête à atterrir. On attend vos ordres. Compris, Rapace. Je vous reçois 5 sur 5. Strike One a le feu vert pour se déployer. Ouais, donc, comme on sait pas quel genre de personnage, d'archétype ils sont, on va un peu à tâtons parce que... Au début, on ne sait pas. Donc on va tous les déplacer à des endroits quand même protégés. Là, on va activer la vigilance chez tout le monde. C'est toujours bien utile. C'est le bruit en fait qui est repéré, pas vraiment l'extraterrestre en lui-même, sinon comme vigilance est activée, il se serait mis à tirer. Bon, se cacher derrière des voitures c'est bien, mais c'est pas idéal comme j'expliquais tantôt, parce que si elles explosent, c'est fini. Normalement c'est du one shot, c'est terminé. Donc comme j'expliquais tantôt, ce qui est bien avec ce jeu, et en même temps qui est frustrant, c'est qu'on peut avoir passé des heures à faire évoluer son personnage, enfin des parties à faire évoluer son personnage, et finalement se voir se faire descendre par, bêtement par une de ces bestioles, et voilà, c'est perdu. Donc ce personnage sera définitivement perdu, surtout en mode homme de fer où je ne sais même pas recharger une partie antérieure. Là je me rends compte en fait que je fais un peu n'importe quoi parce que... Alors les personnages qui ne savent pas tirer, je vais dire exactement. Enfin, lui, il est invisible. Elle le touche, tu vois. C'est déjà mieux. Alors. 17 minutes, je crois. Bon. Enfin voilà. C'est tout ce que tu sais faire ? Donc au fur et à mesure des parties, vous allez découvrir de plus en plus d'espèces d'extraterrestres. Donc il y a différentes espèces, il y a des beaucoup plus grands, très très minces qui savent popper un peu partout. Donc, ah voilà, la panique. Ça, donc, le personnage se met à paniquer tout seul. Donc lui, il avait la vigilance activée, il avait un personnage un extraterrestre et il le touche. Donc c'est tout bénef. Peut-être même pas jusqu'au bout de la partie parce que c'est vrai que ça peut prendre très très longtemps. Oui, la panique qui peut se mettre, donc là déjà il est inutilisable. Il peut pas l'utiliser. Il peut plus tirer. Je ne sais pas comment il peut pas tirer. Il refusera de tirer et des fois même il se met à tirer sur ses coéquipiers. De stress ou quoi. Moi quand je suis stressé, je ne veux pas tirer sur mes collègues. Oui. Ah bah. J'ai le doute qu'elle devienne sniper. Elle. Elle est quand même relativement loin, elle les touche à chaque fois. Le tout c'est quand même essayer d'avoir une équipe la plus équilibrée possible et de ne pas jouer qu'avec les personnages qu'on joue tout le temps parce que finalement s'il y en a un qui est blessé au bout d'un moment, on pourra plus l'utiliser et on va se retrouver avec tous des personnages de base, ce qui va pas vraiment nous arranger. Parce qu'évidemment il y a des extraterrestres comme le Brut qui lui est quand même relativement fort. Je pense que ça va être... Je vais laisser terminer leur tour, je vais terminer le mien, on va rester là. Donc ce jeu est tout simplement génial. Je veux dire, on commence à jouer, on y passe des heures, on se rend même pas compte.
intéressant. Des fois, on se surprend même à donner des noms à leur à ce personnage et vraiment à s'y attacher. Il y en a un qui meurt, on sent presque coupable d'avoir tué quelqu'un, je sais pas, c'est bizarre. Alors. Je vais commencer à les compter. Alors, oui. Elle. Oui, oui, ça non plus, on choisit pas, c'est totalement aléatoire. Des hommes, des femmes, on sait pas. Comme les nationalités, on peut avoir des Belges comme moi. Ou des. De tout, des Italiens, des Français, des Allemands. Des vigilances activées. Sur les... Bon. Il l'a touché, il fait plus mal, à mon avis, ça va devenir un commando ou quelque chose. Ah oui, cette espèce de fil, enfin de plus psychique, ça permet de le renforcer. Donc en fait, si je tue celui-là, il perdra d'office son petit point de vie. Ce qui serait l'idéal d'en tuer deux, ce serait pas mal. D'un coup, évidemment, je peux finir avec elle. Parce que j'ai encore des personnages qui sont un petit peu. Oui, et que sur celui-là. Je vais évidemment le rater. Le tir n'a pas fait mouche. Bon. Vous voyez, c'est prenant, j'avais dit que j'arrêtais. Non, allez, sérieusement, après cette que j'ai moins à jouer. Voilà, mission accomplie. Parfait. Donc là j'ai un meilleur score tout de suite. J'ai perdu aucun soldat, j'en ai tué 4. Retour à la base. Donc le temps ne se défile que quand je suis là-dessus. Le commandant est demandé à la salle. J'avais raison, les snipers sont les spécialistes des tirs à distance. Des petites spécificités, même quand sans on sent un peu soldat, adapté, on ils sont très vulnérables en combat rapproché. Voilà, ça c'est ce que je ramène. Donc 4 cadavres sectoïdes, 8 fragments d'armes. Nouvelle installation disponible, le laboratoire. Donc à chaque fois je rajoute des laboratoires. Le commandant est demandé à la salle. Nous vous recontacterons, commandant. De surveillance, c'est là. Les membres du conseil vont tous vouloir une couverture satellite. On a intérêt à bien réfléchir avant de les déployer. Ok. Là je peux lancer un satellite. Ah oui voilà, c'est ici que je dois choisir. Donc en fait le fait de lancer un satellite diminuera la panique. Donc, par exemple, lancer un satellite de Mexique, ce serait pas mal. Ce que je vais faire. Sauf qu'aux États-Unis, ça me rapportait plus. Bon, ce sera au Mexique quand même. Les terminaux de liaison satellite ont atteint leur capacité maximale. De nouveaux terminaux sont nécessaires. Donc maintenant, je vais devoir construire des terminaux pour les satellites. Comment ça se passe au niveau des constructions ? Je sais plus. ça c'est le hangar. Je vous remercie des efforts que vous faites pour soutenir l'unité de recherche. Les installations. Voilà. Les nouvelles recrues sont déjà au travail. Si nous voulons vraiment agrandir nos installations, nous allons être obligés de creuser sous la base. Donc voilà. En fait, ce qui se passe malheureusement, ici, donc, là, ça va être plus les excavations seront profondes, plus le coût des travaux augmentera. Quelque chose soit construit ici. Bon, il faut savoir par exemple que les centres de liaison. Donc par exemple deux laboratoires, ça augmenterait ma vitesse, mais deux laboratoires qui se touchent, ça les augmenterait encore plus. Donc, par exemple l'idéal ce serait d'avoir un endroit par exemple, avec que des laboratoires, un endroit avec que des terminaux de liaison. Centre de formation je pense que c'est la même chose. Donc, laboratoire, d'accord, les générateurs c'est pour l'énergie aussi. Donc s'ils sont collés c'est toujours mieux. Générateur thermique là, c'est plus cher. Et bien voilà. Je pense que là on a fait le tour. Enfin, les grandes lignes, parce que ce jeu, c'est... il y a aussi toute une partie avec les intercepter des vaisseaux extraterrestres, puis ensuite aller voir la zone du crash avec nos hommes. Et, enfin, c'est incroyable tout ce qu'on sait faire.
Plus tard, on sait aussi construire une, donc la salle d'autopsie, comme j'ai expliqué, pour examiner chaque cadavre d'insectoïdes ou d'autres extraterrestres. Ça, enfin, ce jeu est super riche. C'est incroyable comme ils ont pensé à plein de choses. Il est vraiment très 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 prenant. Enfin voilà, c'est génial. Et puis à l'heure où j'en parle aujourd'hui, il est à 49€ sur Steam. Honnêtement, c'est vraiment pas du vol. Vraiment pas. Et bien voilà. Donc je pense que pour ma première vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a quand même plu. C'est vrai que je suis pas encore tout à fait à l'aise avec la chose. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Les conseils du genre acheter un nouveau micro, ça je m'en doute, il faudra bientôt. Parce que celui-là il m'a pas coûté très cher. Et voilà, enfin, n'importe quel conseil, je prends. La critique aussi. Et les félicitations aussi, bien sûr. Allez, au revoir.